Ok. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce meet-up dans lequel Julien Roland et François Bobot vont nous faire la démonstration d'une génération prouvée d'un chain code IP Ledger Fabric. Donc, je vais laisser la parole à Julien et à François pour se présenter et rentrer dans le vif du sujet. Merci, merci Kevin. Donc, je suis donc Julien, donc doctorant chez EDF, où je suis encadré par Pierre-Yves Pierriot, qui est présent dans ce webinaire donc, et qui est ingénieur-chercheur. Et je vais présenter avec donc François du CEA un aperçu de notre travail autour de la génération prouvée d'un chain code Hyperledger Fabric. Donc, dans un premier temps, je vais vous décrire le cadre de notre travail et on va notamment parler de l'utilisation de chain code Hyperledger Fabric dans la filière nucléaire, ainsi que de l'application de méthodes formelles au niveau de cette chain code. Et dans un second temps, je vous donnerai un aperçu des étapes qui composent notre génération prouvée de chain code Hyperledger Fabric et qui répond donc à nos besoins. Et dans une seconde partie de présentation, François vous présentera donc son travail autour de l'implémentation d'un shim dans le langage OCaml et que donc nous utilisons. Julien, je t'arrête. Oui. On ne voit pas tes planches. Enfin, on voit que la première planche. Ah bon? Ouais, c'est. On a une vue sur PowerPoint avec ta première planche, mais Pense que on voit. tu dois partager l'autre écran. Ouais, ça doit être une histoire Il comme faut ça. que tu partages l'écran plutôt que partager la fenêtre. Mince, désolé. C'est malin. Ouais, C'est c'est bon mieux. Ouais, là? Ok, bon, c'est bon. je reprends depuis le Merci. début, je suis désolé. Non, non, bah Enfin, reprends non, où t'en c'est bon. étais, c'est pas Continue grave. d'où tu en es. D'accord, ok. Tac, 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 ok. Et donc, d'abord, un petit peu de contexte sur notre travail. Donc, le pôle recherche et développement d'EDF a identifié le besoin de pouvoir administrer et tracer les données probantes des opérations industrielles de manière plus sécurisée et plus transparente dans le cadre donc de la filière nucléaire. Et ils ont donc initié un projet de DLT, donc technologie de registre décentralisé, pour contrôler et suivre le bon déroulé de ces procédures industrielles. Ce qui en fait donc un système critique à plusieurs égards. Donc on a l'habitude de classifier la criticité d'un système en quatre catégories. Et dans le cas de notre système, une panne ou un comportement erroné ne menacerait pas la vie de personne ou ne causerait pas un coup d'arrêt aux activités d'EDF. Par contre, une défection du système pourrait nuire à l'image de l'entreprise, à la confiance que ses partenaires et ses clients lui portent, et pourrait aussi donner lieu à une fuite d'informations sensibles. Donc on comprend donc qu'il est nécessaire d'apporter des garanties solides quant à la bonne exécution de ce système. Qui va faire interagir donc les opérateurs ainsi que les sous-traitants de ces opérations industrielles, mais également les régulateurs, les autorités qui vont contrôler et auditer les données probantes en suivant donc le bon déroulement de ces opérations. Donc sachez que l'idée donc de dynamiser les échanges dans la filière nucléaire et donc d'apporter plus de transparence et de confiance vis-à-vis des régulateurs, a été déjà exploré par donc, les opérateurs finlandais et australiens, donc, au travers des papiers que nous montrons, que nous citons, pardon. Et donc, dans notre système, nous avons décidé d'utiliser la blockchain Hyperledger Fabric afin de permettre à ces différents acteurs de pouvoir interagir de manière sûre et transparente, en utilisant un chain code pour encoder ou retranscrire l'application métier de chaque opération industrielle souhaitée.
Donc, on peut justifier l'utilisation de la blockchain Hyperledger Fabric en listant les différents avantages et les atouts qu'elle nous apporte. Dans un premier, enfin, cette blockchain est permissionnée. Ça nous permet de contrôler qui a accès aux différentes données. Elle permet également la confidentialité des smart contracts et l'utilisation d'un système donc Private Data Collection, enfin, qui permet donc de sécuriser les données qui transitent dans les smart contracts. Et ces trois fonctionnalités apportent donc des garanties assez substantielles, donc qui répondent à l'aspect critique de la sécurisation des données dont nous avons besoin. Et pour ce qui est de l'aspect critique du bon fonctionnement de l'application métier et donc des chain codes que nous voulons développer, là on peut s'appuyer sur donc la fondation Hyperledger, dont la communauté est très active, ainsi que sur une documentation assez détaillée. Mais ces derniers points ne sont pas suffisants. On a besoin d'apporter plus de garanties au niveau logiciel de l'application métier, et notamment pour justifier de son bon fonctionnement. Et c'est pourquoi donc l'utilisation des méthodes formelles est la réponse adéquate pour répondre à ce besoin de garantie, car les simples tests ne suffisent pas et ne peuvent pas éprouver exhaustivement le programme. Et donc, grâce aux méthodes formelles, on va pouvoir obtenir des garanties de correction, mais ce, à plusieurs niveaux. Le premier niveau serait donc d'utiliser un langage de programmation qui est fortement typé. On va aussi vouloir chercher à prévenir les erreurs d'exécution du programme, comme les overflows. On veut garantir les propriétés fonctionnelles du code de l'application métier. On peut également vouloir effectuer une génération correcte de deux programmes et qui est la méthode qui apporte le plus de garanties. On en vient donc à notre contribution et à notre positionnement. Lors d'un précédent webinaire, il vous a déjà été présenté, donc si vous y avez assisté, un SHIM Hyperledger Fabric qui a été développé dans le langage Haskell, donc qui intègre un système de typage fort, et donc ce qui permet de développer des chain codes dans ce langage en tirant parti de cette notion de typage sûr. Notre approche reprend, elle, ces quatre niveaux de correction formelle, et notamment la génération correcte à partir d'une spécification graphique, dont voici un exemple. Alors, il ne s'agit pas d'une opération industrielle, mais donc de la recette du tiramisu, un peu simplifiée et représentée avec notre formalisme de spécification. Ici, donc, on cherche à spécifier l'ordre qui doit être respecté entre les différentes tâches à réaliser. Donc, il y a un ordre parfois strict et donc séquentiel, mais également plus lâche à certains endroits de la recette, certains moments, comme donc dans la boîte pointillée la plus petite, où l'on veut effectuer deux tâches dans n'importe quel ordre. À noter aussi que chaque action donc à réaliser va correspondre à une méthode du chain code qui encodera donc cette procédure. Donc, une fois cette spécification graphique réalisée, il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires avant d'obtenir un chain code exécutable et exploitable sur la blockchain Hyperledger Fabric et dans notre système donc de consortium industriel. Donc, on doit d'abord générer une spécification logique et une implémentation en YML, donc qui est le langage dédié à l'outil Y3 que nous utilisons. Et cet outil, donc Y3, donc de vérification déductive, va nous permettre de prouver l'implémentation par rapport à la spécification générée. Donc là, vous avez un exemple de la fonction moyenne où l'on a exprimé, en plus de la fonction, une précondition, donc exprimée au niveau de requires, donc qui doit être vraie lors de l'appel à cette fonction, et une postcondition qui là définit comment le résultat et donc la
ce qui doit être vrai à la sortie de cette fonction. Une fois cette présentation terminée, d'ailleurs, vous aurez la possibilité d'assister donc à un tutoriel que François vous a préparé, et vous pourrez d'ailleurs expérimenter vous-même l'outil Y3 à cette occasion. À partir de notre implémentation prouvée, l'outil Y3 permet d'extraire un code OCaml correct par construction, qui lui est exécutable. Et il suffit alors de déployer ce code sous forme de chain code pour prouver, pouvoir l'utiliser avec le Shim OCaml et ainsi interagir avec la blockchain Hyperledger Fabric. Mais donc revenons maintenant plus en détail sur les étapes qui composent cette génération prouvée. Et on reprend donc par la première étape de spécification graphique d'une procédure. Et vous avez ici un exemple où on a spécifié de manière simplifiée le mécanisme de revue par les pairs qui donne lieu à la publication de papiers scientifiques. Donc tout d'abord, on a l'appel à la publication qui est effectué donc, par le journal, la soumission du papier par le scientifique. Puis on a une première review qui s'effectue et qui donne son accord pour la publication. Mais dans le cas présent, une autre review qui s'effectue, mais qui, elle, ne donne pas son aval demande aux scientifiques de republier une nouvelle version, de resoumettre une nouvelle version de son papier. Et donc, dans ce scénario, les deux reviews suivantes sont correctes et acceptent la publication qui, elle, est effectuée donc par le journal. Et donc, ce formalisme comprend donc une notion de rendez-vous, donc symbolisée par le symbole plus, et une notion d'interruption, symbolisée par donc, ce symbole moins. Et sachant que la transition empruntée par l'action review, donc dans cet exemple, dépend des conditions exprimées sur les arguments, donc de la méthode du chain code correspondante, mais qui sont ici simplifiées par OK pour l'accord après la review ou KO pour il faut une nouvelle version du papier à soumettre. Donc on vient ensuite la génération de code à partir des contraintes exprimées dans cette spécification graphique, et où l'on produit à la fois la spécification logique et l'implémentation dans le langage YML, qui est donc le langage dédié à l'outil Y3. Et on peut ainsi prouver l'implémentation par rapport à la spécification de manière automatique à l'aide de prouveurs. Dans notre cas, AlterGo, CVC4 et Z3, et donc, ce qui requiert bien évidemment de l'ingénierie de preuve et une certaine expérience de l'outil. Cependant, il n'est pas si facile d'exprimer toutes les propriétés possibles, comme celles que l'on souhaiterait, par exemple, pouvoir exprimer en logique temporelle. Et donc là, je vous parle de propriétés que l'on voudrait exprimer, car on peut souhaiter vouloir éprouver la spécification, car l'implémentation sera prouvée par rapport à cette spécification, mais la spécification en elle-même, elle peut être sujette à des défauts de conception. Sachant qu'il n'est pas, il ne s'agit pas du squelette, il, pardon, sachant qu'il ne s'agit dans le code généré, donc le workflow, que du squelette du chain code, qui est généré à partir de la spécification graphique, il est tout à fait possible d'ajouter aussi des fonctionnalités au niveau donc du code YML, et également donc de spécifier ces fonctionnalités afin de prouver leur correction. Et donc, on en vient à la dernière étape qui consiste à extraire automatiquement depuis YML un code OCaml. Et donc, dans le code YML, il n'y a pas l'implémentation des fonctionnalités qui sont présentes dans le Shim.
Il faut donc faire un code à trous où on déclare simplement les fonctions donc que l'on va qu'ils seront disponibles dans le shim en OCaml et on va donc pouvoir faire un mapping lors donc de cette étape d'extraction. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole à François qui va vous présenter donc son travail sur le shim qu'il a réalisé en OCaml. Merci Julien. Donc le shim, comme dans les autres cas, pour les autres langages, en fait, il se place tout en bout de chaîne. Alors tout en haut, on a l'ordre d'horreur comme c'est habituel en Hyperledger Fabric, et il va choisir, scheduler les transactions, et ensuite les endorseurs, ils vont les exécuter. Et pour ça, Hyperledger Fabric a choisi de mettre les chain codes dans des images Docker, ce qui permet d'utiliser de nombreux langages différents, que ce soit Go, JavaScript, Java. Et donc, il y a Haskell qui avait déjà été présenté il y a l'année dernière. Et là, donc avec OCaml, là, on veut faire un peu la même chose. Et en fait, l'endorseur communique avec le shim à base d'un protocole réseau assez classique. Alors, la page suivante. Alors, nous, comme dans le cas de Haskell, pour l'instant, on fait le cas où on est en mode développement. C'est-à-dire, en mode développement, on peut faire en sorte, pour itérer un peu plus rapidement, faire en sorte de mettre l'endorseur en mode développement. Et à ce moment-là, les shims peuvent directement se connecter à l'endorseur de manière à pouvoir vite créer de nouvelles versions d'un chain code et tout de suite en réexécuter un, recompiler, réexécuter. Ce n'est pas l'endorseur qui génère, qui compile le chain code dans l'image Docker. Bon, c'est quelque chose qu'on voudrait faire dans le futur, on verra, mais c'est encore un peu compliqué. Alors, le shim, en fait, la communication se base sur gRPC, qui est un protocole assez commun. Et donc, on a utilisé la librairie C, qui est aussi utilisée par les autres dans les autres langages. Et au-dessus de cette librairie C, on met un stub OCaml qu'on a appelé gRPC, qui permet de lier aux fonctionnalités du C. Et en fait, tout le protocole est décrit, les données, le format des données d'échange du protocole sont définies en protobuf. Alors, protobuf, il y a un outil qui s'appelle protoc et on peut ajouter des plugins. Donc ici, c'est OCaml protoc plugin qui est un plugin pour, à partir du protobuf, générer du code qui décrit le protocole. Et de cette manière, en fait, on peut directement utiliser le protobuf qui est défini pour Hyperledger Fabric. Si tu peux passer le protobuf Fabric Proto. Et directement, à partir de OCaml Protoc Plugin, on peut générer le protocole en OCaml Fabric Protocol. Et avec celui-ci et de l'autre côté, gRPC Protoc Plugin qui permet de lier ça à l'exécution réelle du protocole, ben on peut plus facilement écrire une librairie qui s'appelle Fabric Chain Code Shim et qui permet de décrire un chain code en OCaml. Alors, voilà l'exemple d'un jouet, d'un Hello World, on pourrait dire, de chain code. Donc, au départ, on dit d'ouvrir la librairie Fabric Chain Code Shim qui permet d'accéder aux fonctionnalités. On a une partie où on définit chaque méthode. Donc, par exemple, ici, on a Query, où on va pouvoir récupérer avec un getState la valeur dans le ledger pour un argument donné de la valeur. Et ensuite, on la renvoie directement, parce que c'est vraiment un exemple jouet. On récupère et on renvoie. Et de l'autre côté, on a une autre méthode qui permet de changer les valeurs, donc qui est directement liée à la commande putState de Hyperledger Fabric. Et enfin, on a la dernière partie, la troisième partie, c'est un peu un code qu'on peut du boilerplate, qu'on peut récupérer directement. Alors peut-être qu'on pourrait le générer ou automatiquement.
En tout cas, là, on peut voir que à chaque fois qu'on récupère, on a une nouvelle requête qui est faite. Donc, c'est le 1, 1, ce qui est au niveau de 1 invoke. On récupère la fonction et les arguments. On regarde quelle fonction nous a demandé, donc query ou put. Et dans le 1 cas, on exécute la première fonction. Dans le cas, la deuxième fonction. Sinon, on dit que la réponse est une erreur. Donc, ça, c'est rapide pour faire aussi du chain code. Et c'est vrai que c'est bien pour Hyperledger Fabric, très pratique qu'ils aient fait en sorte de ne pas être liés à un seul langage de programmation, mais de laisser la liberté aux gens. Il y a beaucoup de. On aurait pas, ce travail n'aurait pas pu être possible si on n'avait pas eu le Haskell Shim qui avait été défini, parce que ça permettait d'avoir un shim un peu plus simple et qui permettait, parce que certaines parties du protocole n'étaient pas bien définies. Alors maintenant, c'est un peu de cette manière-là qu'on peut l'avoir la définition. La description de protobuf est vraiment très pratique. Utiliser un format qui n'est pas lié, qui est lié à aucun langage pour décrire un protocole, ça fait gagner beaucoup de temps. Mais bon, Protobuf décrit pas tout. Par exemple, dans certains cas, on a certaines données pour lesquelles on a différents types de messages qui peuvent être. Pour différents messages, les données sont un peu différentes, celles qui sont accessibles. Et ça, c'est pas dit dans Protobuf. Alors beaucoup de choses sont implicites, mais bon, il suffit de lire un autre shim pour avoir les réponses sur. Qu'est-ce qu'il faut utiliser quand. Et enfin, dans ce qui n'est pas encore implémenté, on a les itérateurs qui ne sont pas encore implémentés pour des queries un peu plus complexes sur les clés. Et on a aussi du parallélisme, ou en tout cas gérer plusieurs requêtes en même temps qui ne sont pas complètement traitées encore. Alors, je peux vous montrer juste très rapidement un peu l'exécution qu'on peut avoir. Je vais prendre les mains tout de suite. Ouais, comme ça. Après, je te la rendrai juste après. Hop. Donc, en fait, là, c'était juste pour montrer un exemple. Donc, c'est vrai que c'est juste un script, mais ça ne va vraiment pas être très long. Mais en fait, on a un premier script, et ça, c'est quelque chose qui était assez pratique, utile à faire pour après, qui nous permet de directement télécharger le code de Hyperledger Fabric, de compiler tous les programmes qu'on a besoin, comme l'ordereur, les peers, ensuite de lancer un ordereur, puis de lancer un peer. Et bon, il y a un peu des temps, il y a des temps entre, on attend que chaque application ait fini de travailler, donc ça met 30 secondes. Mais donc, si je saute directement au moment où les. On arrive à ce moment-là. En fait, là, on arrive dans un bash comme ça. On s'est mis où on a déjà toutes les commandes qui ont été compilées, qui sont accessibles. Par exemple, là, la commande peer. Et donc, la commande peer, c'est une commande qui permet d'exécuter, d'envoyer une requête, une transaction, de créer une transaction. Donc là, on va créer la transaction query A pour demander query A. Et sur l'autre terminal qui est à droite. Là, on voit le chain code OCaml qu'on demande d'exécuter. Il se connecte. Donc là, vous pouvez voir en haut à droite à 127.0.0.1 7052. C'est sur ce port-là qu'est le Hyperledger Fabric. Et donc, quand il démarre, il s'enregistre, il attend. Et donc là, il va attendre qu'on ait fait la requête de l'autre côté en bas à gauche. Donc, on l'exécute. Et là, quand on l'a exécuté, la transaction a été reçue par le chain code. Donc, on a le numéro d'identification de la transaction qui citait XID. Et ça a été exécuté. On a renvoyé, dit que la réponse était 90. Et en effet, on a à gauche bien 90 qui apparaît. C'est en effet très simple, comme smart contract. Mais là, on peut faire à la place modifier la valeur en A. Lui mettre la valeur 40, on réexécute. De l'autre côté, on l'a bien reçu au niveau du chain code, on a correctement traité. Et quand on redemande fait une query avec A, maintenant on a bien la valeur 40. Vas-y, je te laisse la main. On peut voir comme ça, c'est quand même. On a ce.
Donc, avec ce ChimoCaml, ça nous permet de lier les résultats de l'extraction de Y3 au Hyperledger Fabric de manière assez naturelle. Et donc, on vous a présenté dans un premier temps donc les étapes de notre génération certifiée de Chaincode Hyperledger Fabric, donc, qui implémente des procédures, mais dans notre cas d'usage, donc des opérations industrielles dans le cadre de la filière nucléaire. Et puis donc François vous a présenté donc un chim donc implémenté en OCaml. Et donc pour les perspectives possibles, donc du côté de la génération certifiée, on peut imaginer augmenter en fait, ajouter des nouvelles fonctionnalités au niveau de la représentation graphique, mais qu'il faudra donc prendre en compte lors de la traduction, lors de la génération, de la spécification et de l'implémentation. Et donc François a déjà évoqué les perspectives possibles pour soit augmenter les fonctionnalités qui sont possibles sur le ChimoCaml, donc les requêtes riches sur les clés, et également de pouvoir utiliser ce chim dans le mode normal et pas dans le mode développement, c'est bien ça? Oui. Ok. Donc merci à vous de nous avoir écoutés et on répondra avec plaisir à vos questions. Si vous en avez. Et donc, juste après, donc c'est en fait, vous présenterez juste un petit tutoriel sur faire de la preuve de. Alors là, c'est de smart contracts, ça ressemble un peu plus à des smart contracts Solidity. En Y3, mais c'est pour vous montrer un peu comment on peut utiliser Y3, et en fait vous pouvez le faire directement dans votre browser, donc ce sera assez, voilà, rien à installer. Bah, si personne n'a de questions, on peut peut-être passer directement au tutoriel du coup que tu proposes. Oui, tout à fait. Juste, faut que je reprenne la main sur mon. Partage et donc. Donc là, vous voyez, c'est sur une page web là, du projet REACH. Donc, projet REACH est un projet européen fait pour aider des entreprises, des startups à pouvoir utiliser des outils pour sécuriser et avoir plus de confiance dans des données, dans des services qui proposent des données. Donc, c'est un projet européen qui est un peu spécial parce que, enfin, c'est des projets européens où les startups peuvent demander les startups ou les entreprises en plus grosse, mais peuvent demander un financement. Donc, il y a plusieurs fois au cours du projet, donc je crois que c'est 3, 4 fois où les entreprises peuvent proposer un projet, dire qu'est-ce qu'elles voudraient utiliser. Et à ce moment-là, elles peuvent recevoir un peu d'argent pour avoir du temps pour essayer ces outils et aussi pouvoir discuter avec les gens qui font les outils pour plus facilement les utiliser. Il y a aussi l'accès à des grosses infrastructures de données, le Big Data Infrastructure. Donc en tout cas, je vous conseille d'aller, si vous êtes intéressé dans ce projet REACH. Alors, j'ai oublié de vous mettre Hop, ici. Donc là, dans le chat, je vous ai mis le lien vers cette page. Et donc,
On va pas suivre le tutoriel pas à pas. En fait, je vais vous expliquer tout un peu plus directement. Mais donc, pour pouvoir lancer OI3 dans votre browser, vous pouvez juste descendre jusqu'à avoir le lien T1 in try OI3. Et à ce moment-là, ça vous laisse ça, ça vous lance cette petite fenêtre-là, où à gauche, vous avez le code, et à droite, vous aurez les obligations de preuve, c'est-à-dire, c'est les formules mathématiques qui doivent être prouvées pour montrer que le code suit sa spécification et n'a pas de problème à l'exécution. Juste une chose à faire, par défaut, ici, c'est à 100. Il faut le mettre à 1000, ici, dans défaut set limite. Ceci est juste le nombre de pas de preuve que le prouveur, qui s'appelle AlterGo et qui est directement mis ici, aussi en JavaScript. En effet, tout ça, en fait, ça s'exécute vraiment dans votre browser, mais vraiment en local, c'est tout en JavaScript. Et donc, là, dans ce code, on a un certain nombre de théories, de modules qui définissent la modélisation qu'on a fait de Solidity. Donc, par exemple, là, on a les entiers uint 256 de Solidity qui sont instanciés ici. On a les adresses. On a aussi les valeurs par défaut qui sont à zéro que Solidity utilise, que le VM en fait utilise. On a la définition de ce que peut être un message. Donc là, c'est vraiment très simple, très simplifié. On a juste le sender dans les messages. On obtient juste qui l'a envoyé. C'est juste que ce n'est pas le défaut. Les mappings, où il y a toujours énormément de mappings dans Solidity pour souvent de adresses vers de valeurs, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Et donc là, tout en bas, on a vraiment le code qu'on veut utiliser. Et en fait, tout ce qui est au-dessus, qui fait en fait là, les 125 lignes, sont réutilisables pour différents, si on voulait prouver, différents smart contracts. Alors, en effet, le smart contract, là, il n'est pas écrit en Solidity. Ce qu'on peut faire, c'est l'extraire aussi, alors pas dans cette interface-là, mais on peut l'extraire vers du Solidity, comme on avait fait l'extraire en CAMEL. L'avantage, c'est qu'on a un langage qui est fait pour faire de la preuve, alors que Solidity n'est pas complètement fait pour, même s'il y a quelques features qui le permettent. Et une fois qu'on a ça, on peut voir un tout petit code qui, lui, veut juste avoir transféré au niveau de la balance entre deux personnes. Donc, c'est le sender qui peut transférer de l'argent vers un receiver qui est donné en argument et un certain nombre de tokens. Et la balance d'argent est représentée ici au niveau de ce mapping qui s'appelle Balanti. Donc le code, on pourrait dire qu'il nous paraît simple à écrire. On va déjà faire que le sender, on va lui enlever le nombre de tokens et le receiver, on va lui ajouter le nombre de tokens. Et si on le lance, en fait, là, ça nous dit que ça n'arrive pas à le prouver, ça n'arrive pas à prouver. Alors ça fait des grosses formules mathématiques, mais tout simplement en gardant dans l'interface desktop, on peut aussi accéder à des contre-exemples. Là, on n'a pas l'opportunité, mais en fait, ici, ça nous dit on a un problème, on a un integer overflow. Possiblement un integer overflow, ce n'est pas sûr, mais il nous dit j'arrive pas à prouver qu'il y en a pas. Donc là, on peut regarder et là, on voit qu'en effet, quand on fait la soustraction de num tokens, bah, il est bien possible qu'on arrive en dessous de zéro. Alors, comme c'est des uint 256, en fait, il y a une sémantique dans Solidity où c'est du wrap around, donc ça devrait nous donner quelque chose, ça devrait passer une valeur très grande. Cependant, on a préféré choisir que c'est pas, on voulait une sémantique un peu plus stricte que ça, donc qui est quand même valide avec la manière dont s'exécute Solidity, mais on dit que c'est une erreur de passer, d'essayer d'obtenir une valeur, d'utiliser ce modulo, le fait que ce sera wrapper. Et donc, là, ce qu'il faut faire, ben, il faut essayer. Il va falloir empêcher le fait de faire ce calcul on est possible de passer à quelque chose de négatif. Alors,
En fait, on a remis un peu la même chose que le require qu'il y avait en Solidity, parce qu'il faut vraiment que ça fasse une erreur, enfin, mais une erreur un peu qui est directement traitée. Donc là, on pourrait dire Notenos token for sender. Et ça, bon, on peut le tester en vérifiant que la balance du sender. Si vous avez des questions, vraiment, il ne faut pas hésiter à les poser quand vous voulez. Je ne sais pas si vos micros sont accessibles, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire. Et donc, ça serait. Pardon, vas-y. Les micros sont accessibles. Parfait. Voilà, et donc là, on peut. Donc, pas un S à require. Si, peut-être. Il dit qu'il y a encore une syntaxe erreur, mais c'est peut-être. Qu'est-ce que je l'avais. C'est pas les apostrophes plutôt. Alors, je revois. Qu'est-ce que j'avais mis déjà? C'était rich. Hop. Je vais revoir mon anti-sèche comme ça au moins. C'est pas les apostrophes plutôt. Que ah, c'est juste. D'accord, c'est juste. J'ai inversé les deux arguments. Ok. Je l'avais mis dans l'autre sens. Hop. 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 Voilà. Et donc là, il dit cette expression, elle renvoie des exceptions qui ne sont pas enregistrées. Parce qu'en effet, cette exception, cette fonction requires, en fait, ça arrête le flow du programme. Ça fait en fait reset dans le cas de l'EVM. C'est ça aborte, ça annule la transaction. Mais ça, on a voulu le rendre assez clair parce qu'en fait, on ne sait pas forcément, il peut avoir un appel très bas qui va annuler l'exécution. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'était réutiliser le système d'exception de Y3. Et là, en fait, on va vraiment écrire, alors ça fait un tout petit peu de redondance, mais on verra dans un autre cas où cette redondance est utile. Ou ici, on va dire que require failed n'arrivera. N'arrivera que si la balance est plus petite que le nombre de tokens. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai écrit? Je vais tricher comme ça en reprenant celui-là. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai tapé de mal? Là, il a accepté. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait de mal. C'était peut-être un copier-coller de la flèche, là, le moins. Ah, c'est peut-être le supérieur qui a un unicode qui serait ouais, différent, c'est peut-être peut-être. Un unicode, ouais, c'est comme ça. Ouais, ouais, bon, ok. Ça a l'air de. Ou ici un espace en CK. Bon. En tout cas, là, en fait, il y a à peu près exactement ce que j'avais pu écrire avant. Et là, quand on le lance, on voit que ça nous dit il y avait un. J'ai pu prouver qu'ici, il n'y a pas d'integer overflow et que le require fail qui est là, en fait, on arrête la transaction que dans ce cas-là, que dans le cas où la balance est plus petite strictement que le nombre de tokens. Alors, on peut voir que le require, c'est en fait l'opposé, puisque là, en fait, on voulait que ça soit inférieur ou égal à la balance. Donc là, on a bien la négation. Alors pourquoi est-ce que là on n'arrive pas encore à prouver le dernier cas qui est celui-ci? Et en fait, c'est sûr que celui-là on y pense souvent. En fait, quand il y a un tutoriel, le premier tutoriel de Hyperledger Fabric, de Solidity, il y a eu plusieurs versions parce que les gens ont corrigé à chaque fois ces petits problèmes. Et là, celui-ci, il est resté assez longtemps. Parce qu'en fait, là aussi, on peut avoir, c'est si la balance, le receiver, a trop de tokens. C'est vrai que ça doit arriver plus rarement. Mais ça peut arriver. Et donc, à ce moment-là, bah, on va en effet
vouloir demander à vérifier que le... On voudrait peut-être vérifier que ceci est plus petit que le maximum de tokens possible. Alors, le maximum de tokens possible, c'est... Ça, je ne me trompe pas. C'est int... donc, on pourrait écrire quelque chose peut-être comme ça. Alors, est-ce que quelqu'un voit si quel problème on pourrait avoir dans ce cas-là? Est-ce que ici, là, ça devrait le prouver ou pas? Alors là, il me redit ça. Donc, il n'aime pas quand j'écris des choses, quand je copie-colle les choses. Bon, bah, tant pis, je vais refaire. Je vais récupérer encore comme ça le suivant. Ça ne fait que je copie-colle tout. Est-ce que copier-coller ne marche pas? Voilà. Là, j'ai remis ce que j'avais mis avant. Et donc là, quand on le lance, en fait, là, ça nous dit que celui-ci est bon. Mais celui-là, en fait, quand on a fait le calcul, il nous dit, bah non, là, il y a le même overflow possible. Donc, il faut pas, on ne peut pas tester de cette manière-là qu'on n'est pas trop grand. En fait, pour tester qu'on n'est pas trop grand, en fait, il faut le passer de l'autre côté. Il faut faire la soustraction. Et c'est vrai que c'est quand même tout de suite, ça devient compliqué parce que même pour faire les tests, pour tester qu'on est dans les bonnes, qu'on fait les choses correctement, il faut le faire attention parce que c'est aussi assez difficile. Mais là, c'est bon. Maintenant, on a tout qui est prouvé. Et en fait, si on peut voir que dans ce que j'ai récupéré, on a dû rajouter ici qu'une autre raison pour laquelle on pouvait arrêter la transaction, c'était que la balance plus le nombre de tokens était plus grand que int 256 max. Et là, on a le droit de faire l'addition parce que ici, c'est des calculs qui sont mathématiques. C'est, on a tous les entiers de taille arbitraire, alors qu'ici, on avait le droit qu'aux entiers int 256. Et donc là, c'est un avantage, c'est comment on peut lire exactement ce qu'on voulait et ne pas devoir faire une certaine gymnastique intellectuelle pour que les pour remettre les tests un peu à l'endroit. Donc là, on peut voir quel est quand même l'intérêt d'avoir ces specs aussi à cet endroit. Donc là, on arrive à là et on a pu prouver au moins que l'exécution se passait correctement ou avec et qu'on n'a pas de integer overflow et on peut voir un peu quels sont les cas de reset. En fait, on peut aller encore plus loin parce que ce qu'on pourrait vouloir prouver, c'est que la balance qui est ici, en fait, on fait bien un transfert. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu des tokens ou on n'a pas récupéré, on n'a pas créé des tokens. Parce qu'ici, on aurait pu enlever cette ligne-là et comme ça, on aurait créé des tokens avec cette fonction-là. Et c'est quelque chose que on n'a pas forcément, qui serait une erreur. Enfin, on a eu des attaques comme le DAO où c'était un peu ça, où d'un coup, on avait trop d'argent, enfin, de l'argent qui était un peu une fonction qui prenait plus d'argent que ce qu'elle aurait dû faire, ou ça devait être juste un transfert. Et donc là, bon, j'ai collé, puisqu'il est déjà 49, j'ai repris directement un peu la correction. Enfin, vous pouvez voir là, sur cette page-là. Et donc, une manière de faire, c'est de simplement dire que dans notre environnement, là, le type T qui représente tous les champs de la classe, de Solidity, ici, en fait, on avait un nombre initial de tokens. Et ce qu'on demande, c'est qu'on a un invariant, et cet invariant, puisqu'on le met ici au niveau de T, cet invariant, c'est que la somme de la balance, alors la somme a été définie ici, c'est pas forcément facile, mais on peut le faire une fois, doit toujours être égale à la valeur initiale. Là, on doit montrer que cet invariant est au moins vérifié par une
par un type T, par une valeur initiale, par exemple, enfin, par une valeur qui existe. Et donc, si on prend la valeur, et si on dit qu'on a toujours 0 et on initialise avec cette map qui a toujours, qui vaut 0 partout, à ce moment-là, en effet, cette partie-là sera vérifiée. Et juste en faisant ça, en fait, là, ça nous a rajouté dans les VC, ici, un type invariant qui, si on regarde ce qu'il essaie de nous prouver, ça essaie de nous prouver que la somme à la fin de l'exécution est bien toujours égale à la somme initiale. Et donc, ça nous fait que toutes les fonctions qu'on pourrait écrire, et donc cette transfert-là, ne vont pas créer ou perdre des tokens, que ça a bien été transféré et qu'on n'a pas eu de création de tokens. Et là, donc, on peut comme ça prouver tous les. On voit que tout est vert. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors, avec Y3, vous pouvez voir, il y a plein d'autres exemples sur le site de Y3. Là, c'était plutôt des exemples parce que Y3 est utilisé dans plein de choses pour faire la preuve de C, la preuve de ADA, la preuve de Java aussi. Pour le C, le ADA, dans ce cas-là, on part du C et du ADA et on génère soit des formules logiques, soit du code comme ça, Y3. Ici, l'exemple est plus un exemple pour des smart contracts, mais sur le site de Y3, il y a plein d'autres exemples avec plein d'autres algorithmes différents et pour voir la puissance de l'outil. C'est vrai que là, du coup, c'était le cas d'un code Solidity parce que ton tuto, il était prêt comme ça, mais ça marcherait un peu de la même manière pour Hyperledger. En fait, on a eu, notamment pour implémenter le shim, là, à spécifier en fait, les primitives d'interaction avec la blockchain Hyperledger, quoi. Le fameux get state et put state dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, peut-être on peut en parler un petit peu. C'était un petit peu une spécificité d'Hyperledger dont on avait parlé, François. Oui, c'était en fait en Hyperledger, il y a quelque chose qu'on avait remarqué, c'était le comme il y a ce exécute, il est en order exécute, ça fait que Execute order, ouais, c'est le exécuter. contraire des autres blockchains. À ce moment-là, en fait, quand on fait des get state, si on a fait un put state avant avoir fait un get state, en fait, on n'obtient pas la valeur qu'on a dans le put state. Ça, c'est sans doute pour optimiser. Bon, c'est un choix technique qui a été fait. Mais c'est là où la preuve peut être assez intéressante parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Et dans notre modélisation, on a bien fait en sorte que quand on fait un get state, on obtient toujours la valeur du début et on n'obtient pas la valeur mise à jour au niveau du putstate. Et donc comme ça, si on veut prouver une propriété fonctionnelle comme on avait pu faire là avec par exemple les tokens de transfert, bah, ça va vraiment vérifier avec la sémantique actuelle et pouvoir éviter ce genre de problème. J'avais juste une petite question. Dans les préférences au départ, quand tu as mis le default stop de 100 à 1000, pourquoi en fait augmenter? Oh, c'est simplement parce que, en fait, c'est le nombre d'étapes de preuve et simplement, il y a certaines preuves. Il y a la dernière preuve, je crois qu'il y a besoin d'un peu plus de pas de preuve. Et en fait, l'outil, l'outil de preuve, le solver qui est derrière AlterGo, en fait, s'arrête au bout de 100 pas de preuve et va dire, bah, désolé, j'arrive pas à le prouver. Mais en fait, quand on OK. lui dit, vas-y, tu as 900 pas de preuve en plus, bah, il arrive à faire la preuve et il trouve le. Il peut le prouver. Donc, D'accord. en fait, si on a limité le nombre de pas de preuve là, c'est pour pas surcharger. C'est quand même exécuté en JavaScript, Voilà même quand si les même, JIT sont impressionnants. Bon, oui. c'est quand même. D'accord. OK, merci.
C'est vrai que bon, là, tout se passait relativement bien. Dans les cas où on a des propriétés un petit peu plus compliquées, plus complexes à prouver, ce n'est pas toujours aussi automatique, en fait. Il suffit pas toujours d'augmenter le temps rallongé pour prouver un cas. Oui, nous on se limite quand on marche sur la. Moi, souvent je me limite à 5 secondes pour lancer pour chaque prouveur. Si souvent les choses ne sont pas prouvées en 5 secondes, soit on peut les aider avec des assertions en plus. Donc c'est en fait on découpe la preuve en plus petits bouts. Soit parfois ça peut vouloir dire que ce n'est pas prouvable. Mais quand on a des contre-exemples, ça pourra nous indiquer pourquoi en effet ce n'est pas prouvable. Enfin, vous montrer un exemple d'exécution qui, en effet, ne vérifie pas la propriété qu'on veut prouver. Et c'est là où parfois ça demande un peu plus d'expérience, parce que voilà, quand il y a quelque chose qui n'est pas prouvé, pourquoi est-ce qu'il n'est pas prouvé, savoir quels invariants rajouter, ça demande quand même un peu, mais les outils, ça, et aussi avec de l'interprétation abstraite qu'on commence à avoir dans Wild3, ça peut nous aider à simplifier au maximum pour Ça, c'est tout le travail d'ingénierie de preuve dont Julien parlait tout à l'heure dans sa présentation, quoi. Qui parfois est un peu ardu et technique, quoi. D'autres questions? Je vous mets aussi le Il n'y a lien pas d'autres questions. pour ceux qui veulent. Juste, je vais mettre le lien pour le projet Reach, si ça peut intéresser des gens. Parce qu'il y a un appel qui doit. Je crois qu'il y a un appel qui va bientôt avoir lieu pour les open calls. Et donc, voilà, c'est plutôt pour les startups et les SME. Donc, voilà, c'est quatrième trimestre 2022. Et, oui, bonjour. Est-ce que le code est en open source de... Ouais. Oui. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu mettre les liens. Donc, il est celui du CHIM est au niveau de sur GitHub dans le groupe dans la de Hyperledger Lab. Je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est les Hyperledger Labs, effectivement. J'ai remis là, le lien dans le chat. Ah, très bien, merci. Et pour Wild3 aussi, c'est open source. Wild3, on peut l'installer assez facilement. Avec OPAM, il existe aussi, je crois, sur Debian, peut-être. Le CHIM n'est pas encore complètement trivial à installer, mais bon, on a toutes les instructions. Et s'il y a n'importe quel problème, il ne faut pas hésiter de mettre une issue. On va encore améliorer l'installation jusqu'à la fin de l'année. Et voilà. Donc, pour essayer de faire en sorte que ça soit le plus transparent possible pour les utilisateurs. Ce qui n'est pas open source, c'est tout ce qui vient avant, tout ce qu'a présenté Julien, qui permet de générer du code à partir d'une spécification graphique. Ça, c'est pas open source. Ok, très bien. Il y a des publications derrière, j'imagine? Pas encore. Pas encore, ok. Oui, pour cette partie-là, pour Y3, il y a beaucoup de. Sur le site Par de contre. Y3, il y a beaucoup de papiers, de Ouais. listes de papiers pour le. Mais bon, Merci beaucoup, moi je dois vous laisser, c'était très instructif et à bientôt. merci à toi. Bientôt, merci. Au Merci, revoir. au revoir. Bah, je pense qu'on va pouvoir fermer. Sauf Oui, s'il y a donc d'autres merci questions. beaucoup pour la présentation, c'était vraiment super. Donc,
Je pense que la question, c'est fini. Donc, et donc, on remet ça. Et encore. On remet ça le 18 novembre pour ceux qui veulent inviter des collègues le 18 novembre en anglais, du coup. Voilà. Super. On a hâte. Donc, merci beaucoup à tous. Donc, à la prochaine. Et bonne journée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci.